Bonjour, je suis Léna Blou, je suis danseuse, chorégraphe, professeure de danse, formatrice et chercheuse. Ça fait beaucoup, c'est tout le parcours que j'ai eu. Je suis la dernière d'une fratrie de 7 enfants, la dernière petite fille, très gâtée. Et c'est vrai que justement la fibre artistique a été justement transmise par mon père, qui était musicien, qui avait son orchestre. Donc j'ai commencé la danse ici, en Guadeloupe. Petite, dès l'âge de 6 ans, et à partir de l'âge de 6 ans, je n'ai jamais arrêté. Donc mes premiers pas ont été inoculés par Jacqueline Cachemire. Ensuite, j'ai eu Jean Nanga, et après, j'ai fait quand même mes études d'infirmière. Et je suis partie apprendre ce métier-là parce que j'avais envie de le faire, et bien le faire bien. Donc je suis allée l'étudier sur les bancs de l'école. J'ai beaucoup appris avec énormément de professeurs différents. Et c'est au fil des années, ça fait 30 ans maintenant que je fais ça. Je suis revenue en 87, ça date déjà. J'ai décidé de poser mes valises vraiment dans cette terre Guadeloupe qui, pour moi, très rapidement, allait nourrir un petit peu l'évolution de mon travail. Je croyais en la Guadeloupe, je croyais dans le gros cas. Et en fait, je crois que c'est tout le message de mon parcours. C'est vraiment la ténacité, la foi. La foi, c'est quand personne ne croit en vous. Et que vous croyez en vous. Il y a une petite lumière tout au fond de votre cœur qui vous dit « Ils ont tort, je vais réussir ». Alors il faut suivre son intuition et suivre son instinct, mais il faut travailler.